Libera Amicorum signifie vraiment un livre d'amis. Et ce livre en particulier reflète l'ensemble de la vie artistique dans la fin des années 50 et 60 en Belgique. Et on y retrouve des œuvres des plus grands artistes européens et mondiaux qui ont entouré la famille Hurvater. Bertie Hurvater a été très longtemps, à l'époque de Philip Robert Jones, membre de la commission d'achat. Il est donc à ce titre responsable d'un certain nombre d'œuvres qui se trouvent dans le musée. Et en outre, comme il était lié au musée, il a lui-même offert certaines œuvres de sa collection d'artistes qui se trouvent dans son livre d'or au musée. Il y a donc un lien entre les personnes dont il est question et la collection. La Braffas est un lieu merveilleux, avec des stands qui présentent des œuvres ou des objets d'art parfois inédits. Et c'est dans les allées que parfois des opérations patrimoniales peuvent se dérouler. Parce que c'est dans les allées qu'Harold Kint a interpellé la Fondation Roi Baudouin à propos des albums Hurvater. Alors, j'ai contacté la Fondation Roi Baudouin dès l'instant où, après avoir fait l'inventaire de cet ensemble de documents, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait absolument conserver toute cette collection pour qu'elle puisse témoigner de la vie artistique belge à cette époque. Alors la question ne se posait pas. Il fallait sécuriser les albums Hurvater parce que ce sont des témoignages, une sorte de tabernacle d'un collectionnisme propre aux Hurvater, mais donc propre à la façon de faire des collectionneurs belges à l'époque. Nous sommes donc ravis d'accueillir un livre d'or comme celui-là qui représente, je dirais, toute la vie d'une collection et la manière dont la collection se met en place. C'est un document qui montre la richesse culturelle de notre pays. Les musées royaux, c'est grosso modo une histoire qui commence au XVe siècle pour se continuer jusqu'à demain et après-demain, et montrer qu'il y a une identité culturelle belge qui est spécifique. Le danger de beaucoup de Libera Amicorum, c'est la séparation des pages elles-mêmes et le découpage pour les revendre en tant qu'œuvre individuelle. Ici, on a pu conserver tout l'esprit de cette famille de collectionneurs. La façon dont ils fixaient aussi les artistes dans leur collection, en entretenant des relations d'amitié, longues ou brèves, avec les artistes. Tout ça est conservé dans ces albums. Il y a une identité qui est réelle, c'est la mission du musée de le montrer, c'est une mission que nous partageons avec la Fondation Roi Baudouin, avec laquelle nous travaillons la main dans la main.